Bonsoir Emery. Bonsoir, Pascal. Alors merci d'avoir accepté cet échange et je ne doute pas que cet échange sera vraiment riche et intéressant. Ça fait un petit temps en fait que j'avais envie de, pas de t'interroger parce que je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais effectivement d'échanger avec toi sur ton parcours, c'est-à-dire en fait d'où tu viens, ce que tu es devenu et les raisons pour lesquelles finalement il y a eu des changements, je dirais parfois effectivement extrêmement importants dans ta vie. Et donc je vais te présenter brièvement et tu auras l'occasion évidemment, le cas échéant, Emery, de compléter cette présentation. Donc j'ai lu que tu étais ingénieur donc de formation, metteur en scène et manager de compagnie théâtrale, père de deux enfants. Et alors, ce pourquoi effectivement je souhaitais t'interroger, ancien membre numéraire de l'Opus Dei que tu as quitté donc après 14 années pour, dis-tu, mener une vie d'homme libre et diriger toi-même ta conscience. Tu étais président de l'AVREF depuis 2013. C'est en fait une association d'aide aux victimes des dérives dans les mouvements religieux en Europe et à leurs familles. Et donc, tu étais président de 2013 à juin 2021. Il faut savoir que cette association a été fondée en fait depuis 1998 et qu'elle a regroupé d'anciens membres de communautés victimes d'abus ainsi que des parents et proches de ces personnes. D'abord J'ai des lu qu'au parents. départ, en... D'abord j'ai des lu parents. Oui, d'abord des parents. des parents. Voilà. Oui, dans l'historique, c'est des parents. Et puis D'accord. après, voilà. Voilà. Et historiquement, je pense que c'est essentiellement des parents de la dont les enfants ou adultes étaient effectivement de la communauté Saint-Jean. C'est Et ça. après, effectivement, ça s'est élargi. Et donc, l'objectif, tel qu'il ressort d'ailleurs des statuts, c'était prévenir, informer, aider et réconforter toute personne ou son entourage, victime directe ou collatérale, de dérives émanant de mouvements ou communautés diverses à caractère philosophique ou religieux, notamment catholique. Et en fait, en cette qualité de président, donc quand tu l'étais encore, tu as notamment, j'ai lu, participé aux auditions devant la SIAS. Tu nous en parleras certainement de ton intervention et de ce que tu as pensé effectivement de cette commission, de son travail et de son rapport. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est Emery, et ce sera peut-être effectivement la trame, le fil rouge, j'ai envie de dire, de notre entretien. Comment passe-t-on finalement de l'Opus Dei, puisque effectivement, je le disais, tu as été un ancien membre numéraire de l'Opus Dei, à la lutte finalement contre les dérives sectaires dans de nombreuses communautés et mouvements d'église, dont précisément l'Opus Dei. Donc, ma première question, Emery, pour toi, ce serait finalement de savoir, quelque part, après ce long parcours, explique-nous un petit peu comment se fait-il qu'à un moment donné, tu as ressenti le besoin, ou en tout cas, tu étais amené à effectivement fréquenter l'Opus Dei. Dans quelles circonstances les choses se sont-elles produites? Des circonstances familiales. Mon père est entré dans l'Opus Dei comme surnuméraire, donc l'Opus Dei regroupant, en fait, si on compte en nombre, majoritairement des surnuméraires, mais en fait, c'est une organisation élitiste qui, d'abord, est basée sur un noyau dur de personnes qui s'engagent pleinement comme des moines, si on veut, mais sans être dans une cellule, puisqu'ils sont en partie dans la vie civile, avec un métier, etc., mais donnant tout leur argent, tout leur temps hors travail dans les centres. Voilà. Et les centres sont le cœur de cette vie, on pourrait dire communautaire, mais enfin, cette vie qui se voudrait spirituelle, d'accompagnement spirituel. C'est ça le propos des gens laïque. Donc, ça regroupe ensuite, il y a des prêtres qui sont issus de ces numéraires-là, qui sont choisis normalement comme des gens n'ayant pas voulu le sacerdoce, mais enfin, comme ils veulent des gens de maison, ils prennent dans ces numéraires, chez les hommes, il y a aussi les femmes, des gens qui deviennent prêtres et qui sont formés à Rome, où ils ont une formation à eux qui est maintenant pontificale. Et donc, la majorité, c'est les hommes et femmes mariés ou encore célibataires, mais il faut qu'ils deviennent quand même plutôt mariés ou alors qu'ils. Et il y a quelques personnes qui sont, d'ailleurs, souvent, étant donné le côté un peu élitiste,
On en parle souvent de manière un peu comme si c'est intellectuellement qu'il y a un problème. Ils ne peuvent pas vivre, alors soit parce qu'ils, ou psychologique, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans un centre, mais ils n'ont pas le niveau intellectuel pour être numéraires, parce qu'on demande des études supérieures, mais ils font les mêmes engagements de célibat, de pauvreté. Alors la pauvreté, elle est absolue, hein, on donne tous les, le moindre centime, et de chasteté, enfin de célibat, j'ai dit, puis pauvreté, obéissance, bien sûr. Voilà. Et donc cette organisation qui se veut donner une caractéristique laïque, en réalité, on peut voir un décalque de la vie religieuse, mais avec... en enlevant tout le langage du moins formel du religieux, ce qui fait que point numéraire en tout cas qui est privé de vie familiale, qui a juste une vie dans le centre, il promène sa cellule en lui, on va dire. Mon père était surnuméraire, il est espagnol, venant d'une famille dont je ne sais pas grand-chose, il y a beaucoup d'ombre, mais en tout cas je connais au moins ma grand-mère et mes oncles et tantes, et ils étaient républicains, ça je crois savoir ça, très à bouffer du curé. Mais mon père s'est converti, il était un peu, c'était une famille d'ingénieurs, de père en fils, d'ingénieurs des mines, donc très haut placé, puis il y avait des mines à l'époque, donc il dirigeait vraiment des mines. Et mon grand-père était quelqu'un qui... il y avait beaucoup de violence, en tout cas, beaucoup de violence. Donc, il y a beaucoup de secrets sur cette famille. Mon père ne disait rien, il racontait ses histoires d'enfance, et lui-même ne connaissait pas sa famille, à part sa fratrie et ses parents, il ne connaissait pas le reste. Donc, il a vu une fois sa grand-mère, croit-il. Donc, il y a beaucoup de violence dans cette famille, que mon père aussi portait avec lui, mais... il était, lui, pas du tout scolaire, voilà. Et il était artiste, en fait. Alors, il s'est barré de sa famille, mais en gros, on lui a envoyé une assiette dans la figure, en gros, mais il est parti. Il est parti tout seul à Madrid, parce qu'ils étaient à Santander, et là, il a tenté sa chance comme artiste, donc il était peintre. Et puis, il a rencontré ma mère pendant qu'il s'en faisait son service militaire, qui était française, et donc il est venu en France. Mais il n'était absolument pas croyant, il était même athée, et disant qu'il pouvait convaincre n'importe quel croyant de l'inexistence de Dieu. Et il a eu un moment de crise, et certainement que ça correspondait aussi à un moment de recherche aussi spirituelle, je ne sais pas, lié à son travail, à l'exigence, à la non, sa non-conformité. Puis il était espagnol, tout ça, c'était compliqué. Il n'y avait pas de réseau pour lui, il n'y avait pas de. Et un jour, il a tout détruit de ses œuvres. Moi, je ne me rappelle pas ça. J'étais petit, j'avais 4 ans, sans doute. Et il cherchait un sens à tout ça. Et c'est avec des collègues de mes parents qui ont demandé, de ma mère, qui était enseignante, qui était prof d'espagnol, qui m'ont dit, vous qui êtes espagnol, vous devez savoir ce que c'est que l'Opus Dei. Donc il a dit oui, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Et donc il ne savait pas du tout ce que c'était. Et il est tombé sur un livre, que sais-je, qui est écrit par un prêtre de l'Opus Dei. Et comme il a vu que ça associait Dieu, le travail, le sens du travail, que ça donnait un sens, que sans doute il était dans une quête quelque part, il s'est dit c'est ça le truc. Et alors il a frappé à la porte d'un centre qui était indiqué, et en disant je vais faire partie de l'Opus Dei. Je crois que c'est le jour de la mort du fondateur, le 25 juin 1975, donc c'est à ce moment-là qu'il est entré. Enfin, il a dû être mis un petit peu à l'épreuve. Enfin, il n'y a pas d'épreuve là-bas. L'épreuve, c'est de savoir si on a de l'argent et puis si on ne fait pas des conneries. Mais disons que, voilà, il est entré là, donc, avec sa passion, avec son... Bon, il était pas très adapté, il gagnait pas d'argent, donc il est toujours monté les doigts, mais ma mère était un peu la femme modèle, voilà, par rapport à l'Opus Dei, donc il lorgnait sur elle et sur les enfants, bien sûr. Mais lui, il était complètement hors catégorie. Il en est sorti seulement 25 ans après, mais avant moi. Et
pas forcément, à mon avis, pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que dans sa tête, je pensais qu'il soit sorti. Mais toujours dit qu'il y avait ce contexte, et on était à Poitiers, ville qui n'avait pas de centre le plus éloigné. Donc, on était à 300 km du premier centre, du plus proche, où lui, il avait ses activités quand il pouvait aller à Paris. Ou alors, quand il venait, souvent, certains allaient en Espagne, ils passaient par Poitiers, il y avait un prêtre et un laïc. Et puis, ils faisaient le tour des enfants, comment ils sont là. Donc, moi, j'ai été envoyé dans des camps à 12 ans, et puis tout de suite, ils s'intéressaient à moi parce que j'étais le brillant de la famille. Voilà, on était 11 enfants. Enfin, on n'a pas été tout de suite 11, mais on était 11 enfants. Et j'étais on est tous un peu artistes. Enfin, d'ailleurs, on l'est complètement, mais factuellement, mais quasi tous. Mais j'étais, moi, celui qui était brillant scolairement. Et je crois que j'étais brillant scolairement aussi parce que c'était dur de passer après mon père. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui nous cassait complètement sur toute prétention artistique. Moi, je me suis un peu réalisé grâce à l'école, mais j'avais le rêve du théâtre très, très vite. Enfin, après, c'est une autre aventure, on pourra en parler, mais ouais. Qui est très importante pour moi, qui est essentielle même. Et qui est essentielle aussi par rapport à mon combat avec l'Opus Dei, combat, j'allais dire, de personne toute seule à l'intérieur de ça, hein. Mais pas du tout en tant que lutte après coup, je ne sais pas quoi. La difficulté a été centrale déjà sur ce point-là. Et ça signifie beaucoup de choses. Mais voilà, il y a eu ce contexte-là, donc j'ai été repéré, et puis il y a un numéraire qui était normalien en philosophie, et qui faisait son service militaire à Saint-Mexant, ville de sous-officiers, et donc lui, il était officier de réserve, j'imagine, et sa tâche, c'était de donner des cours à je ne sais pas qui, là-dedans, des officiers, je ne sais pas quoi, et donc, une fois tous les 15 jours, il venait chez nous et il m'avait repéré et il voulait faire du coup une activité comme ils font tout le temps de formation, je ne sais pas quoi. Donc, qu'on réunisse nos copains, les aînés, là, mon frère aîné, moi, voilà, et puis qu'il fasse un cours de doctrine. Voilà. Mais en réalité, c'est moi qui visais. Alors, il a joué à l'ami avec moi, ce qui est le truc habituel, hein. Vous avez un ami. Quand vous êtes à l'intérieur, vous apercevez que c'est vraiment organisé et qu'on vous demande d'avoir 3 amis dans l'année, en gros, c'est un peu le chiffre, que vous allez mettre 3 amis susceptibles d'entrer dans l'année, c'est ça l'objectif, de les faire entrer dans l'Opus Dei. Alors, vous leur écrivez, Et donc, lui, il avait 7 ans de plus que moi. Il était brillant, hein, en tout cas dans les diplômes, et il me flattait beaucoup sur mes capacités. Je n'avais pas du tout d'ambition d'être ingénieur, moi. À Poitiers, il n'y a rien. Non, j'exagère, mais je n'exagère pas. Non, j'étais dans le lycée prépa, mais je veux dire, il n'y avait pas... moi, je rêvais d'être comédien, voilà, c'est tout. Et ça se voyait comme... Je ne le disais pas ouvertement, parce que j'avais une timidité par rapport à ça, mais j'étais en avance à l'école, j'ai passé mon bac à 16 ans. Donc, quand il venait, il m'écrivait, etc. Et c'est lui qui me disait, il faut que tu fasses une prépa, je ne sais pas quoi. Il y avait déjà eu 2-3 camps que j'avais fait, et puis il en a même m'a même fait en sorte que j'aille dans des camps où là il m'a proposé la vocation. Mais déjà on me disait de venir à Paris. Mais en fait, je crois que j'étais un cas unique de quelqu'un qui est entré dans l'Opus Dei, en tout cas comme numéraire, sans avoir fréquenté les centres et en étant loin de tout. Alors je crois qu'il avait Était-ce vrai? Je crois qu'il y a un fond de réalité. Il voyait un potentiel. Mais où était le potentiel? Réellement, j'étais quelqu'un qui était avec une vraie foi, mais une vraie foi, comment dire, en recherche. Voilà. J'ai, sans doute avec ce contexte de violence fort, je prenais en moi les choses, j'intériorisais beaucoup. Et je sais qu'entre 10 et 12 ans, ça a été une période de crise pour moi, où j'étais habité, hanté par la mort. Voilà, la hantise de la mort, et comprenant pas cette hantise, étant donné que j'étais chrétien. Enfin, voilà. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas normal. J'étais à vouloir questionner ce que c'était que la sainteté,
et en même temps être habité de la question artistique. C'est-à-dire, j'avais le sentiment que j'avais à accomplir une œuvre, en fait, et à bouffer beaucoup pour ça, avant de crever. Et je faisais une course à la montre avec la mort, en fait. Et je me disais, si je meurs maintenant, j'aurais rien fait. Mais même vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, et je ne savais pas ce que c'était. Au fond, j'avais une mère qui était très croyante, mais aussi à sa manière, avec une famille qui a toute une histoire compliquée. Une relation, enfin, dans cette famille, c'est plutôt compliqué. C'est plutôt un rapport d'une religion très... Il y a un peu du royalisme, il y a un peu de tout ça, sans être du tout de ce milieu-là. Il y a un peu de... Voilà, d'espèces de choses qu'on dirait complètement aujourd'hui traditionnaliste, mais ce n'est pas traditionaliste parce que ce n'est pas dans l'esprit non plus, mais c'est complètement décalé, taré un peu. Et une famille très nombreuse, 44 cousins étaient de ce côté-là, mais en comptant les 11 qu'on était nous-mêmes. Des histoires beaucoup, donc remplies d'histoires, de voilà. Et quand j'avais 7 ans, elle nous avait posé la question, les aînés, comme ça, à quoi vous pensez quand vous allez communier? Puis moi, j'ai dit, à rien. Et quand chacun devait essayer de sauver sa face pour la question, moi, j'ai dit, réellement, à rien. Et elle dit, c'est bien, Emery, t'es honnête. C'est bien. Et ça m'a beaucoup questionné. D'abord, ce regard-là. Et puis, ça m'a beaucoup questionné sur qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, la foi et le rapport à Dieu. Et à partir de 10 ans, moi, ça m'a vraiment été... Je lisais la Bible, je disais le chapelet, alors je disais une partie du chapelet, et je recommençais quand je pensais plus au truc. Donc c'était, hein. Et mon père, qui était dans le puisé, il essayait de donner deux, trois principes. Il nous donnait des grandes catéchèses qui duraient une heure, dans son atelier, là, les aînés, et ça partait dans Saint Thomas et tout. Mais lui, il le lisait vraiment, contrairement à ceux de Plus D. Ils prennent les 24 thèses infaillibles, mais il entrait avec sa passion, et là, comme ça. Alors, mes frangins, on avait. Ça impressionnait. Moi, je buvais ça. Et intellectuellement, et tout ça, et puis je voyais, et tout ça. Et, mais on avait 10 ans. Ah oui, c'est ça. En fait, je servais la messe, alors le curé m'avait offert, quand je partais, m'avait offert des vies de saints, et je voyais ces vies exemplaires, ces saintes, Sainte Sabarnette-Souris, ça m'a beaucoup interrogé, cette vie qui est une vie de martyr, en fait. Si elle est sainte, c'est qu'elle est martyre de la religion, enfin, c'est horrible. Mais qui sont, alors là, à 4 ans, ils rêvent comme on dit, des martyrs. Et moi, je me disais, mais je peux vivre, moi. Je n'ai pas envie d'être martyr, ce n'est pas ça. Donc, j'étais questionné par beaucoup de choses. Et je me disais, moi, si Dieu existe et qu'il se présente comme tel, alors il doit entrer dans mon expérience. Mmh. Et c'est l'expérience de Dieu que j'ai cherchée, moi. Et mon père nous faisait faire l'examen de conscience le soir, à la façon Opus Dei, est-ce que j'ai bien, vous êtes bien, fait de mal, enfin, un peu classique. Mais moi, ça rentrait dans des introspections de dialogue, et quelquefois, je restais une demi-heure sur mon lit dans un vrai dialogue très riche et jamais culpabilisant, en fait, étonnamment. C'était une vraie vie intérieure, très riche, très sensible, au cœur du... Comme si vous êtes, comme... Et donc, j'ai eu une expérience de la prière qui m'a sauvé, je pense, une des deux choses qui m'ont sauvé de l'Opus Dei, ça et le théâtre, et l'absence de théâtre, puisqu'on m'en a privé. Alors que... Mais voilà, cette expérience qui est très intime et incommunicable, et qu'on a voulu violer dès le départ. Voilà. Et si j'ai pu m'en sortir, c'est que je l'ai gardé à part et que j'étais une tombe. J'ai gardé à part mon désir de théâtre, même s'il y avait l'impossibilité, et que j'ai essayé par d'autres biais, etc. Enfin, c'est tout un récit, c'est oui. Plein de rebondissements. Voilà. Donc, je suis entré sans vouloir être dans l'Opus Dei. C'est ça qui est fort. Il m'avait emmené dans
un camp en Pologne, et je savais que ça allait me venir parce que j'avais 18 ans. Ils n'allaient pas risquer, comme à d'autres, de me faire devenir à 14 ans et demi, parce que comme j'étais loin de tout, ce n'était pas la peine. J'étais chez mes parents. Parce que d'autres, qui sont fils de surnuméraires zélés et compagnie, on va leur demander, tu vois, à 14 ans et demi, mais ils ne le diront pas à leurs parents. Ils m'ont fait, et je disais, non, je veux pas. Alors, je ne voulais pas être numéraire. Mais j'ai fini, parce qu'en me posant la question, on mettait en route un processus. Et moi, qui étais dans une véritable quête, j'ai lâché le chèque en blanc, comme ils disent. Mais le chèque en blanc, on ne le donne pas à Dieu, en fait, on le donne à l'Opus Dei, c'est ça le problème. Et donc, je suis entré en étant dans la chose que je désirais le moins au monde. Voilà. Et le jour où je suis arrivé à Paris, parce qu'en fait, je venais d'obtenir l'entrée à Supélec, à l'école d'ingénieurs de Supélec, donc j'entrais à Paris, donc j'entrais pas dans un centre la première année, mais dans une chambre de bonne qu'on m'a imposé de prendre en face du centre, et c'est-à-dire loin de l'école, je faisais les allers-retours, tout ça, et en parlant pas à mes parents, et j'étais prisonnier de ce silence, parce que je disais, mais je vais d'abord en parler à mes parents, mais si je me marie, je présente ma fiancée, ah non, non, mais faut... alors que mon père était dans l'autre. Il l'a su par la bande. Enfin bon, tout est comme ça. Il y a trop de choses à raconter, mais ouais. C'est pour dire que je suis entré en étant là où je voulais le moins être. À la rigueur, surnuméraire, parce que marié, tout ça, moi, je voulais connaître une femme, l'amour, des enfants, enfin voilà. Et j'ai vraiment vécu le numérariat comme il est censé être vécu, c'est-à-dire que j'ai vraiment j'ai été tout à fait honnête avec mon engagement, mais voilà, en connaissant. Alors après, il faudrait raconter le processus parce que là, c'est. Mais oui. Mais oui, justement, Henri, j'aimerais quand même te poser la question parce qu'effectivement, tu dis que tu étais approché de l'Opus Dei finalement très jeune, que forcément il y avait un terreau quelque part qui était idéal pour le coup, parce qu'il y avait une réelle quête, une réelle recherche spirituelle. Donc, tu étais happé dans cette communauté-là, ça aurait pu être le cachet en une autre. Mais qu'est-ce qui fait que néanmoins, et malgré ton jeune âge, quelque part, ça t'est, je dirais, suffisamment attiré pour y rester quand même pendant 14 ans? Parce que bon, est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu les choses, pour dire les choses autrement peut-être, comme étant finalement... tu rentres par devers toi, et puis finalement tu grandis là-dedans, tu ne connais que ça, et quelque part une emprise se met en place en manière telle que finalement ta vie elle est rythmée et tu ne penses plus par toi-même. Je crois que comme je disais, tout ça est à expliciter, mais ouais. Je dirais, pour aller vite, je continuais à penser par moi-même. C'est pourquoi j'étais différent, et parce que j'étais différent, j'y étais mal. Il y a des gens qui croient être heureux là-dedans. Il y en a des gens qui savent ne pas l'être, mais qui n'osent pas se l'avouer. Parce que si on commence à s'avouer qu'on n'est pas heureux, on commence à sortir. Mais moi, ce qui me retenait, c'est ce qui devrait... Parce qu'on ne peut pas juger des intentions des uns et des autres, qu'est-ce qui fait que... Voilà. Mais ce qui devrait retenir, ce qui est le plus terrible, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus précieux en vous qui vous emprisonne. On a capté votre désir d'amour, en fait, si on veut. C'est l'amour, le désir de Dieu. Mais le désir de Dieu, dans mon parcours à moi, ça signifiait quelque chose. C'est pas le Dieu violent du Premier Testament, de l'Ancien Testament. C'est pas le Dieu de la puissance. Et j'ai toujours eu conscience de ça, même si ça s'est affiné, que mais dans mon expérience même, comme je disais, l'expérience de Dieu, si on peut dire, le Dieu avec qui je dialoguais n'était absolument pas le Dieu de l'Opus Dei, en fait. Et c'était un Dieu de la faiblesse. Attention aux mots, le Dieu de la faiblesse, etc. C'est-à-dire, je crois qu'il est grand parce qu'il est plus petit que tout le reste et qu'il rentre dans tout, d'une certaine manière. Mais je voudrais dire que... c'est l'engagement avec Dieu qui avait pris cette forme-là et qui me prisonnait. Mais ce n'était pas l'institution en tant que telle. C'est parce que ça avait pris cette forme institutionnelle qui était objectivement reconnue dans l'Église, qui était objectivement l'Église.
Et mon père nous disait tout le temps que, enfin, disait tout le temps que, en fait, la vraie Église, d'une certaine manière, c'était l'Opus Dei. C'est-à-dire que l'Église qu'on fréquentait du dimanche, c'était une Église déficiente, avec des mauvais prêtres qui avaient un mauvais enseignement, qui étaient foireux, qui étaient en général, alors plus ou moins, hein, il y avait des gens sympas, il y avait des prêtres qui venaient chez nous, donc voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils venaient chez nous qu'ils étaient parfaits, mais je veux dire, il y avait une critique systématique de l'Église concrète, si on veut. Et il y avait une Église idéale. Alors, il y avait l'Église en tant que telle, qui est une institution parfaite, ça c'est l'Opus Dei qui va le relayer, et l'Église, si on veut, et, puisque c'est la tunique immaculée. Donc l'Église est immaculée. Donc on est entretenu dans l'idée que l'Église est immaculée. Mais l'Église qu'on voit est déficiente. Mauvais prêtre, mauvais ceci, mauvais enseignement, catéchisme déplorable, etc., etc. On s'emmerde dans la messe, etc. Mauvais chant, bidule chouette. Alors, comment on résout ça? Eh bien, heureusement, il y a l'Opus Dei, qui est la réalisation parfaite, mais qui est non réalisée encore dans sa plénitude, de plénitude spatio-temporelle. Et en fait, je crois que c'était le rêve du fondateur qui disait « Un jour, il y aura autant de centres qu'il y a de clochers dans le moindre village du monde ». C'était donc une sorte d'église qui remplace l'église parallèle, hein, mais qui rentre à l'intérieur. Voilà. Mmh. Alors, je veux dire que là-dedans, avec un saint Thomas d'Aquin qui était absolu et qui, chez mon père, prenait une dimension absolue, d'autant qu'il le lisait, il le relisait, il le lisait vraiment. Il en était passionné et pétri, mais d'une manière fermée. Hein. Mais en même temps, d'une manière artiste, parce que je pense que c'était... les mots le renvoyaient, les concepts le renvoyaient à... Et je l'ai entendu souvent dire, plusieurs fois dire, je crois dans l'Église, dans le Christ, parce que c'est beau et parce qu'il n'y a pas plus beau. Il y a un rapport esthétique quelque part qui rentrait dans le jeu. Mais je crois aussi qu'il y avait un rapport viscéral lié à ces démons. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait une carapace gigantesque et qui chassait tout ce qui était le corps, etc., alors qu'il en était pétri lui-même de ces choses-là, et que l'Opus Dei lui permettait de protéger ces bacilles-là, ces espèces de machins, et d'avoir raison. Et saint Thomas lui permettait d'avoir raison. Mais c'était son saint Thomas à lui qui avait tout le temps raison, parce que je pense que saint Thomas était quelqu'un qui était dans l'aventure. Et quand on voit le contexte de ses recherches qui s'est démarqué de la pensée catholique de son temps, qui était lié à d'autres philosophies. Et donc on est dans et puis surtout qui va vers les laïcs, etc., à une autre époque. Pour plein de raisons, je pense qu'il serait à voir autrement, mais il n'est pas vu autrement, surtout dans le néotomisme, et qui est le contexte de la naissance de l'Opus Dei. C'est un néotomisme total, époque Saint-Pie-X, et donc une armée qui vient répondre au défi de Pie-X contre le modernisme. Et ça, c'est la marque de l'Opus Dei. Et des mouvements qui sont nés à ce moment-là, à la suite de l'Opus Dei, quelquefois en imitation, enfin en imitant certains aspects. Moi, je dirais que l'aspect intellectuel, l'aspect tout ça, en fait, il voulait que quand je suis entré dans l'Opus Dei, donc j'ai dit bon, ben maintenant je vais m'inscrire, je vais faire du théâtre, donc je vais m'inscrire à une école de théâtre pour pouvoir faire le conservatoire de Paris, etc. En même temps, je suis mes études, mais comme ça, je vérifie. Et il m'a dit ah, j'ai oublié de te dire, c'était l'ami hein, en question, que on peut pas être numéraire en étant, on peut pas faire du théâtre quand on est numéraire. Et donc j'ai eu un couteau dans le dos direct, parce qu'il faut imaginer jusqu'où allait le couteau. Hein. Et donc j'ai fait du théâtre dans le Supélec en amateur. Il est venu voir les représentations, il a été scotché par la dimension que ça prenait, et donc la direction à Paris m'a fait dire que je ne pouvais même plus faire du théâtre en amateur. Et du coup, quand j'ai fini l'école Supélec, comme j'étais problématique, parce que j'étais plein de, je lisais de l'histoire, de la littérature, et en même temps, on n'a pas le droit de lire. On peut lire, mais il y a des fiches de l'index, hein, qui est très strict.
J'ai reçu une fois une correction fraternelle. Une correction fraternelle, ça veut dire que le gars, il est allé voir les directeurs qui lui ont dit « Ok, c'est valable ». Il est venu me voir et il m'a dit « Il faudrait que tu arrêtes de lire de l'histoire, de la littérature, parce que ça te donne trop le danger du théâtre. Il faut arrêter de lire. » C'est voilà. Donc, on entre dans une chose qui est prétendument élite. Quand vous entrez avec votre prison à l'intérieur, tous vos interdits à l'intérieur, vous pouvez entrer dans n'importe quelle bibliothèque, vous n'allez pas tomber dans les mauvais livres. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez jamais grandir. Et donc, ils vont voulu m'envoyer en Afrique. Il se trouve que dès que je suis rentré dans la fusée, il y a eu deux choses. Il y a eu ce poignard-là et ma mère était atteinte de leucémie. 11 enfants. Mon père gagnait pas un sou, mais pas un sou, rien. Donc c'est elle qui faisait vivre la famille et mes frangins n'avaient pas fait d'études encore. Et puis, ils n'en ont pas fait non plus, vraiment. Ils ont fait tout de suite des artistiques. Donc, j'étais le seul qui, avec mon diplôme à venir d'ingénieur, pouvait faire vivre la famille. Mais je n'ai jamais pu donner un sou, même quand j'ai exercé à mes parents. Jamais. C'est ma mère qui m'a envoyé de l'argent. Et comme je n'ai pas voulu, pour le moment, je donnais 8 heures de petits cours par semaine dans les maisons les plus riches, c'est-à-dire les parents des élèves envoyé dans le collège de l'Opus Dei, les gens les plus riches de Paris. Et donc, je faisais payer les cours comme ça. Et ça me faisait vivre parce qu'il fallait payer la résidence de l'Opus Dei. C'est-à-dire qu'il faut être pauvre dans l'Opus Dei. Mais la pauvreté dans l'Opus Dei, c'est amener beaucoup d'argent. Si vous êtes pauvre, ce n'est pas intéressant. La pauvreté, c'est amener beaucoup d'argent. Et vos amis, etc. Moi, je ne pouvais pas. Donc, j'étais à Supélec, c'était le plateau de Saclay, revenir à Paris, faire des petits cours, tac, tac, tac. En même temps, je faisais mes trucs de théâtre, en même temps, machin, bon, ça a été interdit. Je faisais de la clarinette. Je le débordais par tous les bords, moi, c'était pas possible. Donc, un jour, le directeur me dit... il y a 10 000 activités dans la semaine. Hein. Donc, il y a un cercle, qui est un truc où on vous rabâche tout ce qu'il faut faire, pas faire, et puis ceci, et puis cela. Donc, c'est très important. Et je ne pouvais pas y assister, c'était mon heure de clarinette dans le conservatoire d'à côté. Donc, il y en avait un, on faisait un en privé, un comme ça, rapidement. Voilà. Et il y a le directeur qui me coince et qui me dit, quel est le plus important ? Tout est syllogisme dans l'Opus Dei. En fait, ces grands intellectuels qui ont une formation quotidienne, enfin, quand on fait le centre d'études, c'est le week-end, c'est les vacances et les grandes vacances de la philosophie, de la philosophie, de la philosophie. Et après, quand on a suffisamment été matraqué de pseudo-Aristote, pseudo-machin, pseudo-méchin, de pseudo-histoire de la... histoire... Alors, l'histoire de la philosophie, c'est lui, il est bien, lui, il n'est pas bien, hein, attention. Mais quand on a été rabâché de ça, on passe à la théologie. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, on est super armé, machin. Pourquoi je racontais ça? Parce que ces grands intellectuels... Mais en fait, oui, mais en fait, on a voulu m'envoyer en Afrique. Sauf que ma mère, moi, je voulais pas parce que je continue à rêver théâtre. Hein. Je serais mort carrément. Mmh. Donc j'ai dit et je disais merde. Et en plus, j'ai dit écoutez, donc pendant un an. J'ai dû chercher le moyen, parce qu'il voulait que j'aille à un endroit précis, à Yamoussoukro, la ville du pharaon là, qui vivait encore à l'époque. Et, parce que là, ils avaient un centre, là, bien sûr. Et donc, je cherchais un truc avec ça, je trouve le truc, que je faisais à peine, je ne cherchais pas, en fait, quasiment. Et du coup, j'ai demandé de pouvoir faire une licence de lettres en même temps, en attendant de trouver, hein, pour m'occuper. Hein. En fait, c'était parce que j'avais besoin de me nourrir. Quoi. Et donc, je faisais une licence de lettres. Malheureusement, il y a un poste qui m'a été donné à Abidjan. Alors, c'était la mort. Et j'ai dit, écoutez,
Là, il faut que je soutienne ma famille, parce que si ma mère meurt, parce qu'elle était à l'article de la mort, si ma mère meurt, je dois soutenir ma famille. Et quelles que soient vos règles, je dois soutenir ma famille. Et ils n'ont pas osé me dire non. Ils m'ont envoyé en Afrique parce qu'ils n'arrivaient pas à me gérer. On m'a changé de centre tous les ans. Et quand un directeur commençait à être touché par moi, hop, on changeait. C'est-à-dire que vous n'avez plus de visage. Et donc, j'ai pu ne pas aller en Afrique. Alors, comme j'avais eu un QI plus à l'armée, là, j'avais un poste de clarinettiste dans un Fréjus et tout ça. Alors ça m'a été rayé de la carte, puisque j'avais. Et donc, on m'a envoyé dans un truc de merde. Et j'ai essayé de trouver un boulot d'ingénieur pour éviter l'armée et pouvoir faire face à la situation de ma famille au cas où. Et donc, je l'ai eu. Et donc, je travaillais 15 heures par jour. Et le week-end, je faisais une maîtrise de lettres sur Claudel, etc. Et j'allais le moins possible au centre, quoi. J'évitais. Et j'arrivais, j'avais un repas froid, personne ne s'occupait de moi, pendant que les autres faisaient leur réunion, leur machin, leur truc. Et puis je dormais 5 heures, et puis je repartais, et puis tac, tac, tac. Et je passais mon week-end à Beaubourg, à bouffer du Claudel et des romantiques, pour faire le prétexte étant mon sujet de machin, mais qui était aussi parce que je voulais écrire aussi. Donc je voulais avoir une culture plus objective et étudier un auteur qui me ramène à mon écriture à moi entre les classiques que je connaissais bien. Et voilà. Et quand j'ai un moment, en rentrant du boulot, il était 11 heures, en plus une demi-heure pour se garer, tout ça, parce qu'on est dans les plus beaux hôtels parisiens, voilà, les plus beaux endroits de Paris, hôtels particuliers qui leur appartiennent. Bien sûr, ce n'est pas l'Opus Dei, c'est des sociétés écrans gérées par des Opusiens, puisque rien n'appartient à l'Opus Dei. Mais l'argent donne à ces choses-là. Et donc, j'arrive, ils sont en train de faire leur réunion. Je n'ai pas fait toutes mes normes, parce que tu sais, il y a une demi-heure de prière le matin, une demi-heure l'après-midi. Donc, quand on a fait toute la journée sans rien, il faut le faire le soir. Le chapelet, la messe, les mille autres choses, mais vraiment mille autres choses. Donc, en gros, il me reste à faire la lecture, un quart d'heure, l'évangile, la demi-heure de prière, le chapelet entier, bien sûr, etc., etc. Et il est 11 h du soir, et tu as les autres qui sont dans leur salon. Là, bon, je n'avais pas envie d'aller les voir dans le salon. Et je suis dans l'oratoire, et j'ai pris ma montre, je l'ai éclatée au sol. Éclatée au sol. Je l'ai ramassée, je suis allé dans la salle de bain, et je suis tombé. Et j'ai comme senti un fantôme qui passait au-dessus de moi, comme le fantôme de la mort. Et je me suis dit, merde, en fait, je suis capable de me suicider. Chose qui était hors de ma psyché, vraiment. Et je pensais que quelqu'un qui se suicide va en enfer. C'était le A plus B. Hein, c'est la. Voilà, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis dit, alors, si jamais ce désir arrive, se présente, c'est-à-dire se concrétise, je quitte l'Opus Dei. Parce que si je meurs en me suicidant, je vais en enfer, donc j'ai tout perdu. Si je perds l'Opus Dei, peut-être que je vais en enfer, mais il me reste de la vie. Très pragmatique. Comme disait le saint des prêtres, Curiace. le curé d'Ars, tu sais ce qui s'est passé entre le pont et l'eau. C'est Ah ce qui oui, se dit pour ça. le fondateur de l'Opus Dei, Oui. puisqu'il est saint. Peut-être qu'effectivement, entre le pont Léo et l'eau, il s'est converti, hein, je ne Oui, sais pas. c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai pensé à cette phrase du Pentateuque. J'ai mis deux chemins devant toi, la vie et la mort. Choisis la vie. Et j'ai choisi la vie. Et à ce moment-là, ça a été le départ du jeu, en fait. Voilà. Et donc j'ai commencé à exprimer, à réexprimer avec force le besoin vital de théâtre, déjà concrètement. Déjà j'étais privé de ma famille, j'étais privé de tout ça. Et j'étais toujours dans des chambres à plusieurs parce que j'étais rien, moi. Je n'apportais pas d'argent ni rien. Donc, enfin, encore que là, j'étais ingénieur. Mais avec des gens qui ronflent, je ne dormais pas de la nuit. Non, mais pendant 10 ans, je n'ai pas dormi de la nuit. Je dormais 2 heures par nuit. Du coup, je me réveillais, j'allais à l'oratoire en bas, par exemple, et là, je prenais Dieu au col. Moi, j'ai eu une relation, c'est là que je priais, j'ai une relation à Dieu ou au Christ,
qui a une relation, j'allais dire d'homme à homme, c'est-à-dire que je le parlais vraiment. Hein. Et la réponse m'est venue que 12 ans, au bout de 12 ans. Mais je veux dire, c'est là que je me suis préservé. À côté de ça, donc, j'ai demandé d'arrêter d'être ingénieur et de me lancer dans le théâtre. Alors, le responsable des numéraires de la France est venu dans mon centre. Mon directeur m'a dit, parle-lui comme tu m'as parlé. Il avait un peu les larmes aux yeux. Parle-lui comme tu m'as parlé, aussi simplement, comme ça. Alors, j'en ai parlé. Et lui, je crois qu'il n'a rien compris. Mais le lendemain, le même directeur qui avait les larmes aux yeux est arrivé à moi comme l'ange Gabriel en me présentant une lettre, enfin un mot. Le conseil, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, conseil général, enfin, la commission, c'est l'organe directeur qui est masculin, l'organe directeur en France, enfin dans un pays, dans une zone comme ça, te demande d'aller à Grenoble pour participer au travail apostolique, enfin, le laïus. C'est une bonne nouvelle, c'était l'ange Gabriel. Quand on dit non à ça, on est rayé de la liste de ceux qui peuvent être béatifiés, officiellement. Ça, on est rayé, mais vraiment, on est rayé. Alors, comme on n'a que ça comme objectif, c'est un peu con de dès le début de sa carrière, le lâcher. Donc, on ne dit pas non. Mais on bénit Dieu et on y va. Alors, et puisque tu ne veux pas être ingénieur, que tu fasses ton agrégation, parce que j'avais empoché en travaillant le week-end là, ma maîtrise de lettres, que tu fasses l'agrég et que tu puisses comme ça enseigner. Et l'idée, c'était que je construise une école ensuite, et puis tu pourras faire du théâtre avec les élèves dans l'école de l'Opus Dei. Et donc, j'ai compris le truc. Donc, il y avait de l'avenir. Partout. Et j'ai toujours pas abandonné l'Opus Dei, hein, pour dire à quel point ça. J'arrivais pas à dissocier. C'est-à-dire que je voyais pas le mensonge Opus Dei, je pouvais pas encore le dire. Je suis arrivé à Grenoble, ça a été ma pire période, avec un pur connard comme directeur. S'il m'écoute, ben, tant mieux pour lui. De toute façon, il comprendra pas. Il est omniscient, omnipotent, omnicon. Et c'est pas le seul, mais c'était un des champions du monde. Il faut voir que quand on monte dans la hiérarchie interne, on se disqualifie humainement. Hein. On s'engage à davantage de choses moralement, comme si on allait perdre son âme en trahissant le iota de la règle. Et cette règle est une règle cynique, absolument cynique, d'abus total. On pourrait parler du viol collectif sur l'intimité des personnes, un viol collectif, et c'est pas autre chose qu'un viol collectif, et qui passe par le prêtre même, avec qui on se confesse, mais avec qui on parle à côté, et en qui on arrange des entretiens à côté d'eux, etc. Et voire dans les périodes qui durent une semaine de retraite, où là on a un entretien global, général avec le prêtre, hors confession, on peut se confesser aussi, ce qui le dit, le déculpabilise de parler de tout ça à son conseil, machin. Quand un jeune homme ou une jeune fille fréquente le centre, on va s'arranger pour qu'il parle au prêtre. Et on va tout de suite, le prêtre va tout de suite lui poser toutes les questions. Est-ce que tu te masturbes? Est-ce que tu as un copain, une copine? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et tout ça va être relayé. Hein, et on va établir le profil. Est-ce qu'il est avec un N, c'est un numéraire sur le front? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors, moi, j'étais tellement canard boiteux que j'ai jamais eu aucune charge ni rien. Et donc, c'est après que j'ai eu accès à certains documents, parce qu'ils sont sortis, tout ça, mais par des gens qui ont regroupé ça en Espagne. Mais en fait, on n'accède qu'à la connaissance de ceux dont on va avoir la charge. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens qui progressent à l'intérieur deviennent de plus en plus malades. Il y a une forme de schizophrénie, de pathologie. Alors, est-ce qu'elle est antécédente? Est-ce qu'elle est produite? Moi, je pense que le système pervertit. Et qu'à un moment, il est une question de sauver son âme. Réellement, moi, je pense que c'était une question de sauver mon âme, de partir. Et que pour certains, je ne veux pas accuser ceux qui restent du tout. Mais il y a un courage, il y a avoir un pied d'appui quelque part. Hein, moi, le pied d'appui, je dis qu'il était resté parce que j'avais gardé cette force en moi et cette puissance de langage
alors qui est peut-être une puissance de langage que j'utilise dans mon métier et tout ça, mais que j'avais mon langage à moi, parce que vous n'avez plus votre langage à vous. Tu ne peux pas parler de ta foi, tu parles de la foi de l'Opus Dei. Tu ne peux pas parler de ton parcours, tu parles de ton parcours, de la rencontre avec l'Opus Dei qui a tout changé. Tu ne peux pas parler de Dieu, tu parles du Dieu, du catéchisme de l'Opus Dei. Quel est le cœur de l'Opus Dei, dit-on? Sanctifier son travail, le monde par le travail, se sanctifier dans le travail, sanctifier le travail. Tu creuses, ça veut dire quoi? J'ai demandé une fois dans l'entretien spirituel. Ça veut dire quoi au bout de 10-12 ans? Alors, ça veut dire quoi Il me dit, alors, comment tu sanctifies ton travail? C'est quoi le but de l'Opus Dei? Alors, je dis, c'est... Sortir bien. Bon. Et je dis, ça veut dire quoi ça et ça et ça? Il ne m'a pas répondu. Il n'y a rien derrière. Sanctifier son travail, c'est mettre l'image du fondateur sur son bureau et offrir cette heure de travail pour telle intention qui a été téléguidée par le directeur, c'est-à-dire obtenir qu'un tel se convertisse. Et, voilà, se convertisse à l'Opus Dei, bien sûr. C'est-à-dire que tout est utilitaire. Mais la personne qui met. Qui doit bien faire techniquement son travail, parce qu'on le fait bien quand on le fait pour Dieu. Hein, on mesure la qualité de ton amour de Dieu, la qualité de ton travail. C'est-à-dire que tu vas bien faire ton travail. Quand ton patron t'a dit, tu vires tout le monde de ton bureau et tu leur tires dans le dos, tu dois bien le faire. Tu ne te poses pas la question éthique. Hein, parce que ces gens-là épousent complètement l'éthique du monde. Parce qu'ils sont dans la réussite. Et même l'éthique qu'ils affrontent, si le monstre absolu, c'était le communisme. Mais ils reproduisent le système soviétique à la lettre. Tout ce qui est intime à toi est dans des petits papiers qui remontent jusqu'à Rome. C'est ça, mais en fait... Redescendre dans ta direction spirituelle, tu dois faire ci, ça, ça, ça. Bon. Ouais. Je continue mon récit. À Grenoble, je fais mon agrègue, enfin en entrant, je commençais en décembre, c'est absurde, mais je le fais vraiment, parce que je voulais aller au bout de mon incursion dans le monde universitaire et des livres. Mais je le fais vraiment, mais sauf que je n'ai rien à voir avec cet esprit-là, je ne sais pas faire une disserte, je n'en avais jamais fait de ma vie, ou seulement en licence, et on ne se préoccupait pas de l'exercice en tant que tel. Mais... Et on me demande en plus, le directeur, parce que tout mon argent d'ingénieur était parti à la fin du mois à chaque fois, donc je n'avais rien dans la poche. Donc mon directeur, il me prend entre quatre murs, enfin c'est lui qui me prenait toutes les semaines pendant une demi-heure, pour 20 minutes, hein, pour me fouiller mon âme, et mes pensées, mes secrets. Et il me dit, tu as un problème avec la pauvreté, et si tu quittes l'Opus Dei un jour, c'est à cause parce que tu manques de pauvreté. C'est-à-dire que je n'amenais pas d'argent. Et puisque j'étais finalement logé et nourri par des bonnes femmes, hein, puisque j'étais invisible, en fait, les numéraires femmes, il y en a un peu plus parce qu'il y a celles qui sont au service de tout le monde, qui ne sont pas payées, hein, qui font pendant 10 heures par jour la vaisselle, le linge des messieurs, des dames, le nettoyage de tout le monde, des chambres, des machins, des trucs, machins. Bon. Il me dit problème de pauvreté. Donc, je devais chercher du boulot 2 heures par jour. J'ai travaillé à la poste et tout ça en passant la grègue en 3 mois. Enfin, ouais. Et je n'avais plus du tout accès à aucune respiration. Et un jour, j'écris, et puis je n'ai pas eu la grègue, n'ayant pas pu la préparer non plus. Mais enfin, on me demande de redevenir ingénieur. Voilà. Et on me prive du cours annuel. C'est-à-dire que je n'avais même plus de vacances, parce qu'au moins le cours annuel, il y avait un jour, un demi-jour d'excursion. Bon. et au moins on allait ailleurs, disons. Et puis moi, j'ingurgitais quand même les livres. J'allais lire les livres, moi, c'est la différence. Mais je suis confiné dans ma chambre à Grenoble, en plein été. Il faut savoir ce que c'est que Grenoble l'été. Il n'y a pas de Grenoblois à Grenoble l'été. D'abord, les gens riches, ils ne sont pas à Grenoble, ils sont dans la montagne. Bon. Mais il fait 30, je sais pas, 6 la journée, et puis 35,5 la nuit avec la lumière. Donc, c'est terrible. Et à devoir donner des coups de fil pour être embauché là où je ne pouvais pas retourner. Et j'ai écrit 3 lettres
en l'espace de 2 mois, 3 lettres, j'avais les poils qui se hérissaient, je ne pouvais pas. Bon, c'était une ville d'ingénieurs, donc j'avais écrit à Hewlett-Packard, qui avait ses quartiers par là et tout ça. Et le reste du temps, je lisais. Et le directeur, de temps en temps, il entrait, il me voyait lire, moi, il ne disait rien. Je lisais parce que Aristote, je faisais Platon, je faisais des fiches de lecture et tout ça. Je ne pouvais pas faire autre chose, voilà. Mmh. Et à un moment, je dois aller à Paris, ben, tout simplement parce que les 3 lettres ont rejoint des chercheurs de tête à Paris. En fait, on m'a demandé dans la direction générale des 3 endroits. C'était Alten, holding de société de service, d'ingénieur, pareil pour Altran, et on me faisait les pieds et les mains, vraiment, pour que j'y aille. Et j'étais choisi avec le gros truc, le pactole. Et je... Alors, en y allant, je vois mon ange gardien, cet ami du départ qui était là de temps en temps, et puis qui voit ma tronche, quoi. Et il me dit, bon, qu'est-ce qu'il... Il voit bien que je ne vais pas bien. Et il me dit, bon, écoute, écris-moi une lettre, et puis je la ferai parvenir à la... Il était, lui, dans la direction générale française. Et puis, je la ferai suivre. Aussitôt rentré à Grenoble, je me rappelle, j'avais une rage de dents, je suis parti sur le thème de la rage de dents. J'ai écrit, sans discontinuer, 20 pages, qui étaient, je crois, de la bombe. Et... J'ai reçu une réponse de lui, un peu laconique, en disant, en fait, une esquive habituelle, c'est « quelle plume ?» point d'exclamation. Et après, sois sûr que cette lettre ne restera pas sans réponse. Mais il ne m'a pas donné de réponse personnelle, lui, alors que je m'adressais à lui, lui qui avait accompagné tout ça. J'ai jamais osé l'accuser, en fait, malheureusement. Mais... Et le responsable des numéraires est venu à Grenoble, himself. Et on a eu un entretien, et j'avais compris qu'il n'avait rien compris. Mais que ce qu'ils avaient compris, c'est qu'ils allaient me perdre. Et ils ont préféré ne pas me perdre. Je ne sais pas, je n'amenais jamais personne dans leur centre, mais jamais je n'aurais osé amener quelqu'un avec qui j'avais des atomes crochus, là-dedans, dans cette souffrance terrible, dans ce mensonge terrible. Chaque fois que j'assistais à une méditation, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, tous les matins, le prêtre, le machin, je le disais dans ma tête, menteur, jusqu'à ce que viennent des mots plus forts que je n'aurais jamais dit. Une fois, je me suis pris à dire dans la rue, mais c'est après ça, connard, mais connard, parce qu'on ne peut pas dire un seul mot sur un directeur, ce n'est pas possible, hein, c'est un péché, on s'en confesse. Mais même, je ne dis pas de gros mots, mais de pensées négatives, hein, parce qu'il incarne, il est le véhicule de l'Esprit Saint qui ne passe que par la direction plurielle, hein, le viol pluriel. Il n'en est que la pointe du stylo. En gros, il me laisse choisir. Mais il retarde mon engagement définitif. Il me met à l'épreuve. Donc, je reviens à Paris, je passe... Le dernier entretien de ces 3 entretiens, enfin les 3 entretiens en même temps avec les PDG, parce que j'avais eu un premier entretien quelquefois avec un chasseur de tête, et on me choisit à chaque fois. Et entre 2 entretiens, je passe une audition au cours Florent où ils me prennent. Bon, en fin de deuxième année, on était déjà en fin décembre, parce que j'avais déjà d'expérience, c'est une formation de 3 ans, et je dis non aux autres. Et aussitôt rentré au centre, il y a le directeur des numéraires qui m'attend et qui me dit « Puisque tu as fait le choix de ne pas gagner d'argent, traduction simplifiée de toute cette trajectoire, qui signifie tout, puisque tu as fait le choix de ne pas gagner d'argent, mais il faut voir ce que ça signifie d'être comédien pour eux. On retombe au XVIIe siècle, hein, les arguments. C'est Bossuet. Hein, c'est, bon. On y perd son âme, son corps, son ceci, ce cela, hein, le rapport au corps. Alors, puisque demain, tu ne peux plus vivre dans le centre, tu te trouves où crécher, mais tu n'y es plus. Il faut savoir que je n'ai pas de pactole en moi, hein, j'ai rien, la fin de mois, j'ai 0 centime. Et j'avais vécu à Grenoble avec des petits boulots et le RMI, et à devoir payer des choses que je n'aurais pas payées si j'avais vécu tout seul, parce qu'il fallait pouvoir le payer, le centre, hein. Et donc, à la rue.
Je me suis trouvé avec mes valises à la rue le lendemain, mais devant trouver une chambre de bonne dans les plus beaux quartiers de Paris, c'est-à-dire à côté du centre où on va faire les activités. Je ne pouvais pas aller à je ne sais pas où, là. Non, Ouais. c'était Mais du coup, Amélie, pour mes frères. c'est quand même une question importante parce que là, effectivement, tu te retrouves, comme tu le dis, à la rue. Après tout ce que tu as pu quand même donner, même si c'est pas effectivement, comme tu le dis, en termes de pactole, mais enfin, tu as quand même mis ta vie, ton esprit, tu essaies quand même de te conformer à l'esprit de l'Opus Dei. Tu te retrouves à la rue, J'ai quand finalement, même payé quand j'étais ingénieur. Hein. dans quel état psychologique te trouves-tu en fait à ce moment-là? Moi, j'étais heureux de me connecter avec le théâtre. Le reste, je m'en foutais royalement. C'est-à-dire, je veux dire, d'être dans la rue n'était pas un problème pour moi. Pour eux, c'est un problème. Juste, la question, c'était où est-ce que j'allais pouvoir être autre part que sous un pont? Mais j'allais à la vie et j'étais heureux de plus être dans un centre. Je ne dormais pas. Trop de tension. Je ne dormais pas. Donc j'allais pouvoir dormir. Même sous un pont, j'allais pouvoir dormir. Donc en fait, voilà où j'en étais. Je regrettais qu'il ne m'ait pas viré de l'Opus Dei. J'attendais qu'il me vire de l'Opus Dei, puisque moi, dire je m'en vais, c'était me condamner. Je voulais que ce soit eux qui reconnaissent qu'il y avait mal donne. Moi, ma prière, c'était, mais dis-moi ce que je fous là. Dis-moi, putain de merde, ce que je fous là. Et tu sais qui je suis, merde. Hein? Et combien je suis aux antipodes de cette apparence permanente, de ces discussions qui n'en sont pas, de tout ce qui est téléguidé, de ces fausses discussions de salon, de machin, de ces trucs télécommandés, de tout, rien n'est vrai. Aucune amitié n'est vraie. Tu ne peux pas avoir d'amis parce que ce que l'ami que tu as, il est fait pour que tu lui donnes le meilleur, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire le centre, c'est-à-dire. Et puis après, une fois qu'il est connecté avec quelqu'un d'autre, toi, tu vas ailleurs, tu le perds. Il n'y a pas d'amis parce que. Et l'amitié est 10, comment dire, le mot m'échappe, est 10. Dissymétrique, puisque la personne qui est ton ami ne se confie absolument pas à toi. J'allais dire son nom, cet ami que j'avais ne s'est jamais confié à moi. Mais C'est deux moi, mondes différents, quoi. tout, Bon, ce sont quand je suis deux arrivé, mondes dans, différents. quand je, tout, toujours sur moi, quand j'arrivais dans une retraite spirituelle, avant de siffler, comme ils disent, dans une retraite spirituelle, évidemment, il en faisait partie de cette retraite juste pour moi. Et donc, il me parlait, il m'envoyait au prêtre, etc. Donc là, la discussion, il m'enferme dans une pièce et il me dit, qu'est-ce que tu dis dans ta prière? Alors, pour quelqu'un à qui ça, il y a quelque chose qui se passe, c'est un viol. Mais réellement, je dis, c'est un viol. C'est une tentative de viol à laquelle je n'ai pas accédé. J'ai laissé ma porte fermée. Et j'ai fait ma porte fermée tout le temps. Mais cette personne que j'appréciais énormément, que j'admirais quelque part, dont j'étais étonné de son admiration pour moi, qui était peut-être réelle, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu oses faire là? Qu'est-ce que tu oses m'exiger? Et puis il exigeait et il insistait. Voilà, petite parenthèse. Non, mais c'est important ce que tu dis. En fait, quand je t'entends, pour dire quand même un petit mot, c'est que j'ai quand même l'impression effectivement qu'il y a une réelle déshumanisation, c'est-à-dire que quelque part il n'y a plus une liberté de pensée, il n'y a plus une liberté de conscience, il n'y a plus de liberté intérieure en fait. Non. Tu deviens quelque part, Mais non, parce que tu es programmé, tu deviens un reprogrammé robot pour. quoi. Tu deviens un Je te robot. dis alors c'est très intéressant, des phrases que lui me disait dans les multiples promenades longues qu'on faisait, hein, parce que c'est un long travail hein, d'amener quelqu'un, en tout cas comme moi là-dedans. Je me rappelle des réflexions, du truc, mais c'est fou quand même. Il me disait ce que j'aime bien dans l'Opus Dei, moi, l'Opus Dei, c'est une armée. Mais moi, que tu me dis ça, moi, ça me fait fuir. Et donc, tu es un pion. Et le soldat, ça marche comme ça, enfin, dans leur idée. Hein. Tu dois le programmer pour qu'il réponde aux problématiques du monde,
à la contradiction du monde. Le monde, il est diabolisé. Et tu reprends la science psychique de Pidis, et il est diabolisé. Le monde extérieur. Et je pourrais raconter des choses liées à mon parcours en tant que président de l'AVREF et mes confrontations avec des archevêques. C'est extraordinaire, juteux, magnifique, terrifiant. Et on est dans une chose où ça. Une autre chose, il me parlait de mon père qui était un peu irréductible. Il dit, de toute façon, je suis convaincu qu'on ne peut pas, qu'un génie ne peut pas faire partie de l'Opus Dei. Et moi, pour moi, ça signifiait tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas être un réel artiste ni un réel intellectuel. Parce qu'il ne s'agit pas d'être génie dans les livres d'histoire, il s'agit juste d'être original, toi-même, enfin, tout simple, quoi. Aventureux dans la pensée et dans l'expression. Non? Alors je dis, qu'est-ce que tu fous à rêver d'être au sommet de la philosophie? Bon, et donc, voilà, c'est pour dire que ça rejoint un peu, non, il n'y a aucune, mais en revanche, je ne veux pas, en disant ça, qualifier les personnes en tant que personnes, chacune, comme étant privées totalement d'humanité. J'ai vu beaucoup de gens dans des voies de garage, ça oui. Et quelque part, si je schématise, il y a les jeunes, bon, ben, ils sont dans leur enthousiasme. Moi, je n'ai jamais eu l'enthousiasme. Je suis né avec le poignard dans le dos. Mais même avant d'avoir le poignard vraiment dans le dos, j'étais déjà triste. C'était, moi, là, j'entrais dans le martyr, là, déjà. Et mais les jeunes, bon, il y a leur enthousiasme et tout ça. Mais après, à partir de 40 ans, ça devient compliqué. Alors, il y a deux solutions. Soit on est universitaire et on est intouchable. On ne va jamais nous dire de quitter notre travail pour une pauvre tâche administrative de merde ou de direction qui vous prive de votre métier. Parce qu'il s'agit de conquérir le monde par tout ça. C'est ce qu'on m'a demandé, moi, à la fin, d'ailleurs, de conquérir par l'art. Quand ils ont vu que j'entrais tout de suite dans un centre dramatique, que je jouais à Avignon, etc. Et c'est ce jour-là, ce rendez-vous-là, où il m'a dit, le pape vient d'écrire une lettre aux artistes, il faudrait que tu construises quelque chose autour du théâtre en France. Et j'ai senti que tout d'un coup, j'aurais eu des moyens par l'Opus Dei. J'allais faire quelque chose de grand. Et je lui ai répondu par une tirade qui a duré 1 heure et demie ou 2, où je lui ai refait mon historique et je lui ai dit, et donc je ne suis pas numéraire. Voilà. Et puis je suis plus retourné dans l'Opus Dei. Mais ça, c'est la fin. Et puis je suis retourné, et juste avant, j'avais donné 15 000 euros, je crois que c'est ce qui me restait dans la poche, à l'Opus Dei, parce que c'était mon prix. Je vaux tant, maintenant je me suis racheté, vous me foutez la paix. Et vous êtes content, vous avez du fric. Bouffez là, dans la gueule. Mais maintenant, en revenant à l'histoire de Grenoble, Grenoble, ça a été vraiment le pire. Donc, j'entre dans le Conflorent. Oui, j'entre dans le Conflorent. Je dors, je trouve une chambre de bonne par hasard. Je travaille la nuit parce que je tombe en interdit bancaire puisque j'avais mes prêts étudiants à rembourser. Tout ça. Je tombe en interdit bancaire. Je dois payer les Conflorent, c'était super cher, etc. Donc, je travaillais la nuit dans l'internat de Stanislas. Autre aventure! Il y avait Saint-Jean. Autre aventure. Je ne raconte une aventure pas. À la fois. Je ne raconte pas. Extraordinaire. Et le jour, je passais mon temps à répéter des pièces, à machin, à Conflorent. Et à bouffer juste un sandwich et, un pain au raisin. Voilà, c'était mon quotidien. Et de temps en temps, je mangeais au centre et je devais payer 800 euros dans le mois, un truc comme ça, pour dédommager des repas que je lui prenais ou je ne sais pas quoi. Et 800 francs, je sais plus. Enfin une somme quand même, une somme pour moi qui n'avait rien. Mais voilà, c'est pour dire l'énergie, elle était vitale. Hein. Et c'est là que j'ai commencé à dire connard, tout dans la rue et tout ça machin. Et au bord peut-être d'une folie, hein, c'est-à-dire ou d'une rage qui sortait. Et surtout, j'avais pas perdu mon langage, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tous ces détours qu'on a fait pour dire que il rentre dans toi, il t'enlève ton enfance,
tu dois tout à l'Opus Dei. Je me rappelle ce directeur de Grenoble, connard, j'espère qu'il m'écoute, mais il ne va pas le faire, c'est interdit. Il va, je l'imagine, enfin, me disant, tout ce que tu penses d'intéressant, tout ce que tu penses, tu le dois au fondateur. Alors, comment veux-tu dire ça si ce n'est pas parce que tu as été complètement programmé? Il faut voir les dizaines de volumes de paperasse qui te disent comment enseigner ceci, que dire de cela, comment parler à un gars qui est marié par rapport à sa femme, comment il se passe dans son lit, comment il ne se passe pas, côté la droite, côté la droite, quelle est la gauche, où est le Dieu dedans, le fondateur dans le cul, etc. C'est tout, tout est au poil de cul, voilà, au poil de bite, parce que c'est interdit ces mots. Mais en fait, il faut quand même dire que c'est ça qui est au centre. Et on a bite pleine de fric, hein. Mais on a quelque chose qui est monstrueux en fait. Et donc j'avais un poumon, et puis j'ai très tôt aussi, en même temps que j'étais au cours Florent, parce que moi je savais que j'avais passé l'âge pour passer les concours des grandes écoles, donc je ratais ma carrière, hein. Donc c'était que par mon travail et par ma passion que je pouvais y arriver. Il se trouve que j'ai tapé dans l'œil tout de suite à des professionnels au vol, et que j'ai travaillé avec une équipe artistique aux Arts Poitiers, un centre dramatique. Bon, et maintenant, après cette aventure, je monte par mes propres ailes, ma propre écriture et tout ça, et c'est de nouveau. Mais ce qui est important, quand même, ce qui est important, c'est que quelque part, quand je t'entends, tu as gardé en réalité quelque part, même si c'était tout fait à un moment et que ça n'a pas été évident, que tu as pensé à aller en enfer, etc. Mais tu as quand même gardé au fond de toi une capacité de révolte telle qu'à un moment donné, ça n'a pas été possible d'être complètement étouffé par l'Opus Dei. Malgré oui. toutes ces années, tu as gardé oui. cette capacité. Un jour, pour aller au plus court, c'était terrible. Hein. Les cours annuels. Parce que ne pas les voir pendant la journée, ça faisait du bien. Mais alors, les cours annuels, de nouveau, 6 semaines avec tout ce monde-là et tout ce protocole, tous ces horreurs, ces... Et j'étais dans mon dernier cours annuel, finalement. Je ne dormais pas à chaque fois, je ne dormais plus. Bon. Et je passais ma nuit et ma journée, même pendant les cours, là, à dire mais qu'est-ce que je fous ? Donne-moi une réponse, merde. Hein ? Et à la dernière messe du matin, à l'adieu du matin, la dernière messe, c'est tous les jours la messe, donc... Le fondateur avait toujours des visions, mais en fait, il n'en a eu qu'une, hein, au départ. Après, c'est que des nouvelles revisites, parce qu'il a toujours pensé l'Opus Dei telle qu'elle était dès le départ, hein, bien sûr. Mais au départ, il n'y avait pas de femme, ce n'est pas possible, même par blague. Il n'y avait pas d'hommes mariés, ni de femmes mariées. Il y avait des purs, hein, comme on dit chez les cathares. Des hommes privés de tout corps, hein, et qui ne se reproduisent pas sexuellement, en tout cas. Mais par clonage intérieur. Pendant cette élévation d'hostie, je repose cette question lancinante, parce que dans l'évangile, il est dit « frappe et on t'ouvrira ». Donc, il faut frapper. Hein. Quand tu n'as pas d'autres moyens, tu frappes. Tu n'as pas les gros moyens des riches avec je ne sais pas quoi, tu ne peux pas avoir le ministre que tu envoies, les diplomates, donc toi, tu as ton pauvre poing, tu tapes. Bon. Et je dis, est-ce que je me suis trompé, d'autant que j'avais fait l'engagement définitif, qui a été le pire jour de ma vie. Bon, je ne raconte pas, mais c'est terrible. Je fuyais, je prenais le métro, je fuyais parce que j'avais aucune bague qui m'allait. Et donc, je devais aller acheter une bague d'alliance. Et j'allais avec un autre numéraire qui lui aussi faisait sa... Parce que tu prends une alliance ou une bagouze, parce qu'ils aiment bien les gens, les deux. Donc, tu peux prendre aussi une bagouze. Et les chevalières. Et donc, on était deux. Ça faisait un couple homo. C'était très drôle. On cherche une alliance. Alors moi, aucune ne m'allait. Et donc, après, je devais y aller tout seul. Je sortais du métro. Je hurlais presque dans la rue. Je ne pouvais pas. J'arrêtais. Je revenais. Je disais, je ne peux pas. Et on me disait, si tu ne l'as pas, on ne peut pas le faire. Et c'est ce jour-là où jamais. Alors, tant mieux. Et le responsable de l'Opus Dei en France est venu le jour J avec une bagouze qui était deux fois plus grosse que mon doigt. Et qui m'a été imposé. Bon, ce jour-là, donc, je pose cette question et j'entends, oui, tu t'es trompé. Mais c'est bizarre, c'est la première fois que j'ai une sorte de voix. Peut-être que c'est mon inconscient, hein, qui l'a produit. Mais en tout cas,
Et je dis, mais alors qu'est-ce que je fais? Parce que c'est comme si je défroquais, c'est le mal absolu, c'est comme... Et j'entends une phrase qui ne peut pas être de moi, en tout cas, parce que ce n'était pas dans mes concepts. Ce n'est pas opusien, c'était « tu es libre ». Et ça ne m'a pas du tout dit « barre-toi, ça pue ». Ça m'a dit, ça m'a répondu, parce que j'étais, je pensais que, par rapport à Pascal, au pari pascalien, que je n'étais pas dans le pari pascalien. C'est-à-dire que je ne considérais pas qu'il s'agissait de choisir la voie la plus sûre, la moins risquée, en choisissant Dieu. Je considérais que ce n'était pas chrétien, ça. Je pensais que Dieu avait déjà fait le pari sur nous, c'est-à-dire que, tel que nous sommes, on était capable d'aller à lui, avec notre raison, avec nos déficits, avec nos machins, il avait fait le pari, lui. Et que la foi, c'était croire ça, plus. Et donc, c'était l'inversion du pari pascalien, c'était Dieu qui l'avait déjà fait, lui. Et au prix de. Mais toujours est-il que ça m'a répondu, parce que j'ai interprété ça comme ça. Si tu n'es. Si, quand bien même ce serait le chemin le plus parfait, puisqu'on t'attrape avec ça aussi. Le jeu élitiste, l'orgueil, tout ce que tu veux. Quand bien même, si tu ne le fais pas par liberté, ça n'a aucune valeur. Tu ne te laisses pas la place de m'aimer et tu ne me laisses pas la place de t'aimer. Je préfère que tu sois dehors et que tu sois claudiquant et merde, mais que ce soit Emery. Et ça m'a libéré, ça, totalement. Et je suis encore resté 2 ans et j'ai commencé à parler au directeur parce que je restais dans les formes. Hein, et je n'ai jamais élevé la voix. Et je leur disais les trucs et ils me disaient, mais t'as raison, t'as raison. Tu devrais faire des corrections à tout le monde. Ou je sais pas quoi. Et puis, tu avais le responsable de l'Opus Dei en France. Je disais que mon directeur, quand même, il était complètement... Il dit, mais oui, on peut changer de directeur, t'inquiète pas. Après, il ne faut pas changer tout le temps, parce que c'est un problème. Mais comme j'avais la barbe, là, déjà, tous les jours, on me disait, t'as une barbe, t'as des cheveux, là, parce qu'il faut être rasé, pas de barbe, et la cravate et la veste, toutes des vestes ridicules, d'ailleurs, des cravates ridicules, bon, et moi, je craque comme ça. Bon, et donc, chaque fois, quelqu'un me coinçait dans l'ascenseur, là, oh, tes cheveux, non, ta barbe, avec des blagues, et j'ai un cousin l'autre jour que j'ai revu après 20 ans, il m'a fait la même chose, disons tes cheveux. J'ai dit oui, non, mais c'est que si je les coupe, c'est comme Samson, je suis nul, hein, on ne va pas m'engager. Voilà, ça lui a clos le bec, il était content. Et donc, et on a pu continuer la discussion. Il faut toujours des préalables. Voilà. Et donc, j'ai commencé à parler à des gens, mais en fait, je parlais assez facilement aux gens qui n'étaient pas. Avec des charges de direction. Et puis, ils avaient des jardins intérieurs. Il y en avait un qui... C'était pathétique, hein, mais bon, c'est comme ça. Un ingénieur qui écrivait un livre qui allait révolutionner les choses, où il réintégrait, il détruisait l'immanentisme avec tout Aristote. Et c'était un livre secret, voilà. Mais il ne le montrait pas parce qu'on allait se moquer de lui, etc. Il y en a un autre qui courait. Alors, je ne dirais pas le diplôme qu'il avait, parce que je crois qu'il est tout seul en France d'avoir ce diplôme maintenant. Mais il se reconnaîtrait tout seul et je ne voudrais pas le blesser. Et on courait, et c'était ce moment où il avait sa petite fragilité. C'est un pauvre gars, il avait fait l'ENA. Oh, pardon. Et donc, oh, c'était terrible. Il me faisait pitié. Et donc, je découvrais leur petite fleur, quoi, comme ça. Et puis, je suis parti. Je suis parti comme ça. Voilà. Mais d'une certaine manière, je suis parti le jour où j'ai décidé que j'étais prêt à partir. Et en ayant mis mes valises déjà dehors, mon frère passait le matin où j'avais rendez-vous avec pour. Créer l'avenir de la France, la ville culturelle de la France, catholique et opusienne. Et bon, je savais que toute leur manipulation pour te rattraper. Donc, il avait pris mes 2 valises, soi-disant parce que je devais travailler à Poitiers, et je ne mettais plus le pied dans le centre. Donc, 14 ans, tu es resté 14 ans, et du coup, en fait, tu sors de l'Opus Dei à quel âge? 33 ans. 33 ans. Tu te rends bien compte, évidemment, moi quand je t'entends, évidemment, il y a certains aspects, évidemment,
qui forcément me choque, mais qui en même temps se retrouve dans les autres communautés et mouvements d'église, à savoir que notamment tu as dit, Émeric, que l'opposé se considère effectivement comme la fine pointe, la fine fleur de l'église, ceux qui vont effectivement évangéliser le monde entier, ceux sur qui il faudrait effectivement se calquer. Et ce qui est fou, évidemment, c'est de se dire que toutes les communautés et mouvements d'église ont cette dérive-là aussi, qui est de se dire on est effectivement le fleuron de l'Église, comme le renouveau charismatique à un moment donné se pensait le renouveau également, le renouveau de l'Église, le printemps, le nouveau printemps. C'est évidemment en soi quelque part, pour le coup, extrêmement orgueilleux et finalement, par rapport justement à l'humilité qu'on devrait avoir, c'est vrai que c'est problématique. Et il y a aussi un autre aspect, en fait, tu rebondiras si tu souhaites, mais il y a un autre aspect également sur lequel je voulais revenir, parce que pour moi, tu l'as effectivement dit très rapidement, et c'est vrai que finalement, il y a cet idéal très souvent aussi qui est extrêmement fort, ce besoin d'amour, ce besoin d'aimer, qui est quelque part confisqué, vérolé par la religion, et ici, on espèce par l'Opus Dei aussi, et donc finalement il y a une sorte de perversion de la notion même d'amour, parce que en fait ton être n'est même plus capable d'aimer réellement, de désirer, d'être pleinement humain, d'avoir une conscience de ce qu'est le désir pour un autre. En fait tout est quelque part vérolé intérieurement à la racine même, et tu es censé correspondre simplement à la vocation telle que l'Opus Dei te la propose. Je crois que c'est presque la définition du système pervers. C'est-à-dire qu'il aboutit à l'habit inversé. Il est le retournement de ce qu'il recherche. Je me suis mis à lire la Bible à ce moment-là encore, mais cette fois-ci autrement, avec une seule question, c'est qu'est-ce que l'Église? Pour pouvoir continuer, parce que je considère qu'on ne peut pas avoir une foi de blaireau ou une foi de gars qui ferme les yeux. La foi, c'est du réalisme. Ou alors, c'est de la superstition, ou c'est une protection, ou c'est une petite bulle. Mais la vraie foi, si elle traverse pas la mort ou réelle, le drame humain réel, les vraies questions. C'est pas de la foi, c'est autre chose. C'est quelque chose, une béquille peut-être, hein, mais comme dirait Saint Paul, la béquille, il faut l'enlever à un moment si on veut être adulte dans la foi. Donc, et ils te remettent la béquille. Alors que Saint Paul dit, on vous a enlevé la béquille et vous vous remettez les chaînes. Vous êtes tarés là. Il dit ça aux anciens juifs qui voulaient remettre toutes les règles et tout ça. Je crois que toute la Bible, on peut faire une lecture de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est une dénonciation de ça. Et c'est un jeu entre le pouvoir humain, la projection d'un Dieu qui aurait un pouvoir de ce type-là, et un Dieu qui se révèle à rebours de ça, hein, qui renverse le cheval de Paul, par exemple, de Saül, ou qui. 10 milliards d'exemples, 10 milliards d'exemples. Et c'est là que on est frappé pas parce que tu disais, tu qualifiais, je sais plus comment, ce système, cette façon. Moi, je dirais que c'est de la folie. C'est une folie, alors qui est tout à fait humaine, cette folie. C'est du Shakespeare, c'est du ce qu'on veut. Voilà. Mais c'est pas beau comme Shakespeare, parce que c'est pauvre. Mais c'est pauvre. Ah, c'est terriblement pauvre. C'est horriblement pauvre. Ah Quand oui. j'étais dans l'ingénieur, j'étais donc dans un bureau d'études, j'étais vraiment au cœur d'un système complètement taré, qui est le management, mais là, dans tous ces éléments rassemblés, si on veut. Et donc j'avais une sorte de mise en abîme qui ne me faisait pas encore nommer l'Opus Dei dans le même. Mais j'avais une mise en abîme, sauf que eux, au moins, ils sont ouvertement cyniques. Ils te disent, je m'excuse du mot, on t'encule. Maintenant, on encule l'autre. Mais là, ils disent Dieu. C'est ça qui est terrifiant. Mais c'est le nom de l'amour, c'est ça en fait, c'est ça, Ils disent Dieu amour. c'est Donc, le nom de tu sais l'amour. plus ce que c'est que l'amour, Mais mais tu non, ne c'est sais ça. plus. Mais Et non. surtout que le concret de l'amour, il passe aussi par le corps. Il est privé de son lien. La tendresse n'a pas d'existence.
ou alors dans certains mouvements, on voit que ça passe de manière absolument perverse. Hein. Mais la tendresse n'a pas d'existence. Le contact, le mot personnel n'a pas d'existence. La confidence n'a pas d'existence. On ne peut pas se confier à quelqu'un d'autre qu'à son directeur spirituel, même à un frère, entre guillemets, un frère de religion, j'allais dire. On ne peut pas. C'est-à-dire on est isolé totalement, ouais. Et on est privé de lien totalement, mais vraiment totalement. Et l'unique lien, c'est passe par la hiérarchie. Donc, on est privé de ce qui est le réseau, le canal, le capillaire de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est à la fois une vibration spirituelle, certainement, mais qui est une vibration de tout, psychique, physique, je veux dire, on est un des hommes. Et ils sont les premiers à dire... Nous, la relation du couple, on la bénit à deux mains, quand on discute le lit matrimonial. Moi, je veux bien, mais même ça, ils le violent. Parce que l'homme et la femme qui sont mariés, ils vont chacun le visiter, le lit, hein, séparément, et y entrer. En fait, tu as un prêtre là, tu en as deux même, tu as celui de madame, celui de monsieur, tu as l'accompagnatrice de madame, l'accompagnatrice de monsieur, et là-dedans, il y a tous les interdits. Et quand on dit « tout ce que tu fais, tu dois penser que ferait le fondateur à ma place », je ne sais pas s'ils doivent se dire dans le lit, je ne sais pas qu'il ferait le fondateur à leur place. Voilà. C'est compliqué, effectivement. Il n'y a pas d'amour. Mais en fait, Emery, si je t'entends bien, finalement, quand tu énonces effectivement la manière dont fonctionne Opus Dei, on retrouve finalement typiquement les critères d'une secte. C'est ça, en fait. Oui, oui, oui. Mais l'ambition n'est pas d'une secte. La réalisation le devient. Il y a une folie au départ. Après, on pourrait... Quelle mythologie autour du fondateur. Et puis, ils ont réussi hein, à le faire fondateur. Il n'y a qu'eux qui maîtrisent l'histoire de. C'est... Il n'y a qu'eux qui maîtrisent les chiffres de l'Opus Dei, il n'y a qu'eux qui maîtrisent tout ça. Nous, on ne faisait qu'écrire l'histoire en permanence. Dans moindre activité, moins de séjour, moins de machin, il y en a un qui est un numéraire qui est chargé d'écrire le jour, le journal. Il écrit tout ce qui est bien, tout ce qui est bien. Et puis, il y a un cas qui va raconter, faire un article là-dessus, qui va entrer dans la revue interne qui va servir à prier, à se nourrir de cet évangile en vie. Et moi, ça m'est arrivé d'écrire un article parce que j'avais participé à un camp avec des jeunes, des étudiants en Lituanie, etc. Tout mon truc a été réécrit et je devenais le héros d'une histoire où je convertissais l'un après l'autre. Fabuleux. Fabuleux. Fabuleusement con, nul, inintéressant. Qui se retrouve là-dedans? Qui se retrouve dans ces vies de saints où, effectivement, comme disait le fondateur lui-même, ils boivent l'Esprit Saint dès le biberon et même ils refusent le saint et il fait la même chose. Bon. En fait, c'est monstrueux parce que c'est déjà de dire je veux être saint. Et le fondateur, il disait je veux être plus saint que lui, plus saint que lui. C'est quoi ce truc-là? Mais ça veut dire quoi ce truc-là? Mais c'est taré! D'abord, il n'y a qu'un seul saint, si on est chrétien, c'est Jésus. Enfin, c'est le Christ. Ce n'est pas Jésus, c'est le Christ. Hein? Théologiquement, il n'y a personne d'autre n'est saint. Donc, balayons tout ça. Il n'y a qu'un seul Père. Si on est chrétien, il n'y a qu'un seul Père. Arrêtons de dire notre Père, machin. Voilà. Il n'y a qu'un seul Maître. Mais c'est le Maître lui-même qui dit ça. Alors, attention, qui est le Maître là-dedans? Bon. Et tous se font passer... pour des, ce philosophe, certainement, ou intellectuellement, et tout ça, normalien, tout ça, qui a fait un article dans un blog sur Saint José Maria. À l'époque, oui, c'était Saint José Maria, point quelque chose. J'ai lu l'article, parce que je voulais être nourri. Extraordinaire. Faisant une histoire de la spiritualité en tant qu'universitaire, quand même. Mettant Moïse, le Christ, le fondateur de l'Opus Dei, la trilogie. Oui, bah oui. Ça. Bon, ça c'est. On refait l'histoire évidemment comme on. Non, mais ça veut dire la pauvreté intellectuelle. Oui, oui, bah oui. C'est qu'en fait, il n'y a rien d'intelligent. Mm. Et c'est juste une intelligence
d'adaptation, mais qui ne peut pas durer d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement raides qu'il faut qu'ils changent. Ils sont plus adaptés au monde moderne. Ils sont adaptés à une lutte qui a existé il y a 100 ans, Ouais. dans des langages il y a 100 Ouais. ans. Et ils se sont prétendus annonciateurs, pour dire prophètes même, de Vatican II, alors qu'ils n'ont pas supporté Vatican II. Emery, on pourrait évidemment dire énormément, et tout ce que tu dis effectivement est intéressant et permet justement de comprendre un petit peu dans quel jeu, je dirais, se trame l'histoire de l'Opus Dei par rapport aussi évidemment à l'Église, par rapport aux croyants, par rapport à ceux qui sont présents au sein de l'Opus Dei et ceux effectivement qui, entre guillemets, sont sympathisants. J'avais dit d'entrée de jeu que je souhaitais effectivement te faire parler, entre guillemets, sur deux choses pour montrer ton évolution. C'est-à-dire ton passage pendant 14 ans, c'est plus qu'un passage dans l'Opus Dei, ta sortie, et puis finalement, effectivement, c'est pas banal parce que tu connais par définition de l'intérieur la manière dont effectivement tu n'as pas pour le coup été nourri par l'Opus Dei, mais du coup tu as eu à un moment donné, je dirais, le besoin, tu nous le diras peut-être, ou en tout cas ça a été une nécessité pour toi mais finalement d'œuvrer pour dénoncer justement les dérives sectaires au sein des mouvements et des communautés d'église. Et donc tu as quelque part, comme on dit parfois un peu trivialement, viré ta cutie au point où tu es devenu président d'une association justement qui met, je dirais, la victime de ces communautés et mouvements d'église pour le coup au centre. Et donc là, on passe évidemment de la personne qui était victime d'une communauté telle que l'Opus Dei, à une personne qui, à un moment donné, prend conscience des dérives sectaires et souhaite effectivement se mettre au service des personnes qui elles-mêmes ont été victimes d'abord de Saint Jean, on l'a dit, mais également effectivement de manière plus large par la suite. Et si tu veux bien, puisque effectivement le temps avance, je te proposerais de faire, le cas échéant, du coup, un second entretien sur ta présidence au sein de la VREF, ce que tu as effectivement découvert en tant que président, et du coup cette expérience qui était la tienne, qui était riche également, qui a duré pas mal d'années au sein de la VREF, et si tu pouvais effectivement dans un second temps nous relater cette expérience, si tu es d'accord. D'accord, on peut Ça faire comme va? ça. Voilà. Mais écoute, je te remercie. On en Au reste là revoir. pour la première partie, et donc on se retrouvera pour un prochain échange pour la seconde partie. Je te remercie. Merci Merci Pascal. Emery. Merci à toi.